j'ai pris la décision vient à 80% de moi, ça vient de ma part à moi, parce qu'en fait dans mon couple les filles, donc pour celles qui n'ont pas compris, j'ai décidé du coup de rentrer en France à la fin du premier trimestre de mes enfants. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est moi qui gère tout, et je me suis rendu compte qu'en restant ici c'était une énorme perte d'argent, parce que je ne suis pas propriétaire de ma voiture, je ne suis pas propriétaire de là où j'habite, et je paye tout à plein pot. Donc alhamdoulilah, on a la chance de bien gagner notre vie. Après je gagne pas des 1000 et des 100 non plus hein. Ça faut vraiment le rentrer dans la tête de certaines personnes. J'ai des problèmes comme tout le monde, des dettes comme tout le monde, des dépenses comme tout le monde. Et c'est vrai qu'ici, bah, je voulais déménager parce que du coup, l'appartement où j'étais, qui était magnifique, qui est magnifique, que je kiffe, mais juste il manque une chambre. Du coup, je voulais déménager et je ne trouve rien en bas de 30 000 dirhams. Donc 30 000 dirhams, c'est 2 800 euros à 3 000 euros. Ça dépend du taux de change que vous avez au courant du mois de l'année. Donc j'ai pesé le pour et le contre et je me suis rendu compte que j'étais à beaucoup de frais. Faut savoir que l'école, moi je la paye plein pot, je suis pas boursière, en tout cas j'ai rien, je paye tout plein pot. L'école, j'ai payé 4500 euros les frais d'inscription, plus je paye 3200 euros le trimestre. Je vous disais, au-delà du côté financier, il y a aussi le côté je ne suis pas propriétaire de là où j'habite et je ne suis pas propriétaire de ma voiture. Donc une voiture au Maroc en location, c'est entre 500 pour une Clio 3 à 1000 euros pour une Clio 5 par mois. Bref, c'est plein de petites choses comme ça